plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. En 2008, alors que je préparais ma valise pour partir au championnat du monde de boxe en Chine, ma mère m'a rappelé la chance que j'avais de voir vivre ma passion pour la boxe, mais surtout cette opportunité que j'avais de pouvoir prendre la parole à chaque fois que j'en avais envie, parce que pour elle, en Algérie, c'était pas du tout le cas. On lui demandait d'être une bonne mère et une bonne épouse, et surtout de taire ses avis et ses rêves. Elle avait envie d'apprendre et de découvrir le monde, mais c'était pas possible. Très peu de temps après, on m'a tendu un micro. J'ai hésité, j'ai eu peur, puis je me suis rappelée de la chance que j'avais en tant que femme de pouvoir m'exprimer librement, de faire bouger les lignes. Et donc j'ai arraché ce micro et je me suis lancée. Je voudrais te dire merci maman, parce que tu m'as donné cette force et ce courage d'oser m'émanciper sur un ring, mais aussi à travers la parole. Donc encore une fois, merci. Toi, plus moi, plus eux, plus tous.